Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 22 février 2022, promesse de justice. Toutes les semaines, jusqu'à l'élection présidentielle, la Fédération protestante de France aborde une nouvelle thématique dans son adresse du protestantisme pour les candidats à la présidentielle. Cette semaine, c'est le futur président de la FPF à compter du 1er juillet 2022, Christian Krieger, qui a interrogé les candidats sur le développement de la justice sociale dans les pays membres de l'Union européenne. Il met l'accent sur le besoin qu'ont nos sociétés d'être porteuses d'une promesse de justice pour entre autres renforcer la résilience des citoyens des pays européens et conforter leur confiance en l'avenir. La Haute Cour du Sri Lanka a acquitté vendredi deux hauts fonctionnaires accusés de crimes contre l'humanité pour n'avoir pas déjoué les attentats du dimanche de Pâques 2019. Des attentats imputés à un groupe islamiste radical local qui avait ciblé trois églises et trois hôtels dans la capitale et fait 279 morts et plus de 500 blessés. Cette décision du tribunal a été dénoncée par le cardinal sri-lankais Malcolm Ranjit qui estime que le gouvernement n'a tenu aucune de ses promesses pour rendre justice aux victimes. L'autorité israélienne de la nature et des parcs souhaitait étendre les limites du parc national des remparts de Jérusalem en y incluant entre autres une grande partie du mont des Oliviers, englobant ainsi des terrains appartenant à l'Église. Dans une lettre dénonçant ce projet qu'ils estiment brutal, les hauts représentants de l'Église avaient rappelé que le mont des Oliviers est l'un des sites les plus sacrés pour le christianisme. Ils ont finalement obtenu gain de cause puisque le projet a été gelé. Agnès Jones a été enlevée par Boko Haram au Nigeria en janvier 2019 alors qu'elle était adolescente et travaillait dans les champs. Elle témoigne auprès d'un membre d'Open Doors de l'horreur de la vie en captivité, de sa fuite, de son sauvetage par les militants nigérians ainsi que de la façon dont ses proches l'ont rejetée à son retour. La chrétienne raconte également les pressions qu'elle a subies pour renoncer à sa foi. Un témoignage à retrouver sur le site d'Info Chrétienne. Si la Bible nous encourage régulièrement à rechercher la justice, qu'elle soit sociale ou morale, elle nous rappelle également que nous ne l'obtiendrons pas toujours sur cette terre. Mais ayons confiance en Dieu, car il ne laissera pas les victimes, mais il les rétablira pour l'éternité. Voilà pour les nouvelles du jour, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.